Yepa tout le monde et bienvenue and welcome on yepapote.global. Alors, yepapote.global rassemble autour d'une politique qui vise à s'entraider tout en assurant la bonne conduite réglementaire. Voilà. yepapote.global rassemble autour de propositions de solutions d'entraide globale au service de l'être humain dans le monde pour lui permettre de mieux vivre et de mieux entreprendre. Alors, actuellement, la dynamique de faire matcher nos besoins à des solutions sous-entend une contrainte additionnelle qui est celle de trouver des solutions en accord avec le cadre réglementaire, ce qui sous-entend de bien comprendre ce cadre réglementaire, ce qui est une vraie difficulté pour le non-expert, le particulier ou encore tout simplement l'être humain. D'où l'intérêt de créer yepapote.global. yepapote.global s'organise en deux niveaux d'aide. Le premier niveau d'aide se veut être mis en place par une aide qu'on va dire individuelle. C'est ce qui correspond à la matrice 1 des tests Help Audio réalisés par YEPA. L'opportunité, c'est de répondre à une volonté d'aider, de soulager et de rassurer d'une manière globale pour donner l'opportunité de permettre peut-être à certains de mieux vivre ou de mieux entreprendre. Dans ce cas de figure, l'opportunité est réelle et cette matrice 1 audio se veut utile. Néanmoins, dans cette aide humaine individuelle, il s'expose des risques majeurs. Pourquoi ? Ce serait tout simplement que ce cast audio soit complètement inutile. Pourquoi ? Peut-être tout simplement lié à la nature humaine imparfaite mais perfectible de l'être humain qui font que malgré la volonté de bien faire, parfois il encourt le risque de ne pas savoir, de ne pas savoir aider, de ne pas savoir soulager, de ne pas savoir rassurer, de ne pas savoir faire, etc., etc., ou de mal comprendre, ou de mal interpréter, etc., etc. Donc, dans l'aide individuelle, malgré les opportunités, il y a des risques. Donc, yepapote.global, pour répondre à cette problématique, a mis en place tout simplement une place, la place Coco. C'est la place du co-helping et du co-working, voilà, qui vise à rassembler l'intelligence humaine collective, justement, et à augmenter ainsi l'efficience de la solution. Alors, l'important, ce serait de rassembler l'être humain autour, en fait, de non-experts et d'experts pouvant aider, faire rencontrer le match autour du besoin dynamique et de la réponse aux solutions dynamiques, tout ceci dans le respect d'un cadre réglementaire. Voilà. Donc l'opportunité, moi je dirais, ce serait d'augmenter les opportunités individuelles par l'aide collective, mieux harmoniser le savoir, les connaissances, l'approche de la réglementation. Ce serait également viser à diminuer les risques individuels, justement, en comparant les aides collectives. Cela viserait à mieux comprendre la réglementation par l'aide collective d'experts en réglementation. Voilà. Donc, en conclusion, je dirais que la plateforme Coco et la place Coco est une réelle place pour permettre la mise en place de l'intelligence collective. Voilà. Donc, en conclusion, je dirais que je me considère personnellement comme un être humain imparfait mais perfectible. Et comment ? Grâce à vous. Voilà, donc je suis actuellement en recherche d'experts pour aider dans la catégorie vivre, entreprendre et des experts du droit et de la réglementation. Voilà. Pour quel objectif ? Faire matcher, faire rencontrer le besoin dynamique et la solution dynamique la plus efficiente. Voilà, je compte sur vous tous et sur votre retour d'expertise et sur la nature de vos besoins. Je vous dis à bientôt. Yepa !